Ils n'ont qu'à ouvrir leurs yeux parce que nous avons des choses uniques au monde. Banana, coconut, pear drops, and sugar cane. Plus grande industrie d'avenir, c'est les touristes. Les touristes, parce que nous avons eu un trou avec le Covid, là, c'est sûr. Mais enfin, il faut que Saint-Ouen se développe rapidement pour recevoir tous ces clients qui viennent d'ailleurs. Nous pouvons recevoir tous les gens du monde entier. Vous savez, dans la vie, il faut avoir de la chance, mais la chance, on la crée aussi. Ça peut nous aider à nous mettre en avant. Ce n'est pas que ça qui nous mettra en avant, mais ça peut nous aider. La plupart de nos visiteurs viennent pour deux choses en Guadeloupe, trois éventuellement, la cuisine, les plages et le rhum. C'est créateur d'emplois et donc de pouvoir d'achat. Et donc, on a tout à fait raison d'accentuer cette thématique-là. Aujourd'hui, le rhum de Guadeloupe, c'est un produit de luxe et justement, ça permet de donner une image encore plus qualitative de ce qu'on est capable de faire aux Antilles et en Guadeloupe. On a un créneau à prendre là-dessus. C'est représentatif d'un nouveau marché que j'espère la Guadeloupe saura prendre rapidement et dans quelques années. Faire connaître un peu plus et encore plus la Guadeloupe dans sa diversité, dans son agriculture, dans son développement économique, faire que ces entreprises soient connues au niveau mondial, puisque nous voulons nous développer au tourisme, c'est dans le droit fil, ça va dans le bon sens.